montrer maintenant avec Sandra les deux méthodes pour réaliser un caramel. Il y a le caramel dit à sec, c'est juste du sucre qu'on va faire chauffer, puis on va aller au stade du caramel, vous allez voir, c'est très simple. Et on va faire le caramel à l'eau, c'est-à-dire qu'on va rajouter un tiers du poids du sucre en eau. Gosses, coucou toi. Ça rafraîchit. Hein. Toujours une petite balle pour rafraîchir. Voilà, sans me tromper, là, c'est du caramel. Oh, ça, c'est les parfums de mon enfance. Oh, avec ce parfum de caramel, Faustine, je vais te faire fondre. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil vert. C'est mon parcours, papa caramel. Survivant aux escroqueries et aux querelles, de maîtresse en maîtresse, esquive les bassesses, à la recherche d'une vie meilleure, 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 meilleure. Moi,
moins on va remuer le caramel, plus il sera réussi. Sinon, on va commencer à mettre des impuretés dedans et ça ne marchera pas. Attends, il y a un problème. Hey, je te jure, je veux vraiment, vraiment, vraiment péter un putain de plomb. He was hypnotized when she took her t-shirt off. And her breath shook like a cream caramel in an earthquake. The truth is, what he liked the most wasn't looking at her, nor thinking of her, nor drawing her. What he really liked was the feeling of being devoured by her, starving, all at once, and most of all, with no hands. Donc là on les stoppe en cuisson. C'est bon. Vous avez vu, c'est simple. C'est quasiment inratable. Bravo mon Gérard, tu as relevé mon défi. Ah oui, merci ma Faustine. Il a assuré Gérard, hein. Et vous, vous en pensez quoi? C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. Je dois faire du bif, de la moula, du caramel.